Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, Fifi. Alors aujourd'hui, un haul Amazon coloriage, voilà, que j'ai reçu aujourd'hui, dimanche. Voilà, j'ai reçu ma livraison aujourd'hui, parce qu'en même temps, il y avait le cadeau de Chouchou dedans, donc c'est bien tombé, c'est le jour de son anniversaire. Je profite du coup pour remercier toutes les personnes qui lui ont souhaité son anniversaire via YouTube ou via Facebook. Je vous remercie tous pour lui. Donc voilà, j'ai fait une petite commande. Ouais, encore. Sur Amazon, il faut que j'arrête de regarder les vidéos des copines. Hein. C'est ça. Hein. Faut que j'arrête. Et donc j'ai commandé de bon, enfin, il n'y a pas grand chose hein. C'est deux trois petites bricoles. La première, allez, tu attaques. Vous savez que j'ai déjà l'encre Winsor et Newton, l'encre dorée. Alors elle est ici. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc ça, c'est la dorée. Voilà. Pour la secouer. Voilà. Donc moi, j'ai déjà celle-ci. Et là, j'ai commandé la blanche. Voilà. Donc, celle-ci, donc la boîte est comme cela, avec un plat, avec un petit ours, enfin un petit ours, un ours blanc dessus. Et donc voilà l'encre, donc qui est blanche. Alors qu'est-ce qui est marqué de spécial, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial de marqué dessus? Ah tiens, c'est fabriqué en France. L'autre. L'autre, c'est pas marqué. Sur la boîte, peut-être. Oui, Made in France. Ah, mais je savais même pas. C'est avec des noms anglais, comme ça. C'est français, ça. Ah ben voilà, c'est bien. Made in France. Ah, j'aurais pas cru, parce que Winsor et Newton, j'aurais vraiment pas cru que c'était français comme produit. Ah ben voyez, j'en apprends tous les jours. Et je pense que vous en avez appris, vous l'avez appris aussi. Donc c'est un produit français. Avec un nom anglais, pourquoi pas. Donc ça, c'est une encre blanche, voilà, qui va me permettre de faire des petites taches, de faire quand il y aura sur du papier noir, sur le coloriage, je vais m'en servir également, voilà, enfin, vous verrez. Alors, je vais vous remettre les liens de tous les articles, comme je fais d'habitude, hein, bien sûr, en sachant qu'ici le blanc est pas très cher, c'est 4,68 €. Je vous dis ça parce que, alors, je retrouve l'or. Alors, il y a plein de couleurs, hein, un petit peu à la fois. Je vais reprendre toutes les couleurs. Par contre, ils ont même des lots. Des ensembles 15 pièces, donc là il y a plusieurs avec une boîte en bois. Il fait combien la boîte en bois? 45 €. Il y a la boîte et il y a 8 encres dedans. Il y a une plume, enfin le comme ça, comme ceci. Avec des plumes.
Bon. Enfin, c'est pas ça que j'étais en train de regarder pour vous dire. Alors, l'or, ben, je ne retrouve plus l'or. L'encre or. Il y a la bleue, la cobalt. Ah, la or, voici. Alors, l'or, elle est à 15,56 €. Voilà, je savais que l'encre or était beaucoup plus chère. Voilà. Donc, faut pas la gaspiller, hein, celle en or. Ensuite, un Schirchheimer spray. Voilà. Ceci, bon, vous voyez à l'envers à chaque fois. Ça m'embête, ça, sur le téléphone, que vous voyez à l'envers. Alors, je vais sur la page en même temps sur Amazon. Alors, on secoue. Alors, j'espère que vous allez voir si que ça brille. Non, mais ça, vous n'allez pas le voir. Alors, attendez, si j'allume ma lampe, est-ce que... Oh là là, c'est encore pire. Voilà, là vous voyez, ça brille de mille feux. Voilà, vous voyez, c'est tout brillant. Alors là, c'est un liquide, hein, vraiment, vous voyez, de toute façon, c'est pas une pâte ni rien, c'est vraiment un liquide. Donc là, avant de faire sur mon coloriage, je vais m'entraîner un petit peu sur une feuille de brouillon pour pas faire des bêtises. Donc, on vaporise un petit peu sur les endroits où on veut que ça brille sur notre coloriage ou sur toute notre page, pourquoi pas. Et ça fait des... Ça brille, voilà. Donc, c'est un liquide de paillettes, si on veut. Voilà. Alors, ça, par contre, alors, il est en promotion en ce moment. Il est à 10,92 € au lieu de 12,16 €. Voilà. Alors ça, par contre, est-ce que c'est un produit de quel pays? Du coup, je regarde. Ah non, c'est USA, c'est américain. Voilà. Ça, c'est américain. Bon, pour l'instant, j'ai pas de Made in China, hein, mais je vais en avoir. Ensuite. Alors, j'ai pris des petits tampons des doigts éponges, comme on appelle ça. Alors, j'aurais voulu prendre une grande boîte, mais je dis, bon, pour l'instant, je me prends ça. Alors, j'en ai 10 ou 12, je crois, dedans. Vous voyez? Donc, hop. Vous connaissez, hein? Alors, je sais qu'il en existe en bois, mais je n'ai pas trouvé. Donc, bon, pour l'instant, j'en ai déjà un comme ça, je dois en avoir 2-3 seulement. Mais vous allez voir pourquoi j'ai acheté ça. Donc là, ouais, il y en a 10, je crois. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. Il y en a 10. Et ça, c'était pas très cher du tout. Enfin, si, oh, si c'est cher, moi j'ai pas vu. Enfin, pour ce que c'est, si je trouve que c'est cher. 10,99 €. Voici sur AliExpress, je crois que je les aurais payés beaucoup moins cher. Mais bon, c'est rien, c'est pas grave. Alors là, par contre, c'est vendu par une boutique chinoise en plus. Je vais peut-être éteindre là, vous me reverrez mieux. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté pourquoi? Parce que. Voilà. Alors, je remets sur la page. Voilà. Alors, je voulais des gélétos. Gélatos, pardon. Gélétos. Des gélatos. Gélatos, ça coûte très cher. Voilà. Les Faber-Castell Gélatos. Le coffret de 28 couleurs, c'est 103 €.
02. J'ai déjà mis ces prix-là dans les crayons de couleur. Je dis, bon, je vais pas remettre ce prix-là dans. Puis de toute façon, je n'aurais pas pu, tout simplement. Pour les gélatos. Donc, j'avais vu sur une chaîne, je ne sais plus laquelle. Bon, en ce moment, je fais des soirées avec YouTube hein, sur ma télé, comme il n'y a rien de beau à la télé. Donc, je regarde beaucoup de vidéos coloriage en ce moment. Et j'ai vu la YouTubeuse, je la connais en plus, hein, mais je ne reviens plus sur son nom, qui a pris des gélatos, mais des faux. Voilà, c'est des faux. Et j'ai vu que ce qu'elle faisait avec, ça marchait tout aussi bien. Donc, les voilà. Donc, c'est écrit en allemand. Hein, donc, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est écrit. Ça, c'est la petite mallette. Donc, il y en a, par contre, là, il y en a 36. Alors, je remonte pour vous expliquer. Alors, eux, ils disent que c'est des craies aquarelles ultra douces, crémeuses, couleurs vives, très pigmentées, faciles à mélanger, blablabla, 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 blablabla. Et le prix, 17,97 €. Donc, il n'y avait pas photo. Et comme c'est un article que je ne vais pas utiliser tous les jours, je ne pense pas. Si c'est comme mes néocolores que j'ai utilisés deux fois et qui sont dans le tiroir. Donc voilà. Donc voilà la palette de couleurs. Donc une jolie palette de couleurs, vous voyez, ici en haut le blanc, un petit crème, des jaunes, orange, rose. Après on repart sur des roses, violets. Là c'est un peu raisin, on va dire. Après les marrons, kaki, des verts, turquoise, bleu, les différents bleus, gris. Là ça doit être un or, je pense. Donc il doit y avoir un argent et un or et un noir. Voilà. De toute façon, je me ferai un petit nuancier. On le fera ensemble, comme d'habitude, pour que l'on voit bien les différentes couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces petits doigts éponge. Alors je vais vous en sortir un. Voilà, donc un petit capuchon. Et donc voilà, alors ça se tourne comme un rouge à lèvres, hein. Voilà, oui. Bon là, je vais pas le tourner puisque la pointe est assez... Voilà, vous voyez. Donc déjà, même sur le doigt, c'est vraiment, c'est gras. Alors, attendez, est-ce que j'ai un petit bout de papier quand même pour montrer? Ça n'a pas dû. Hop. Bon, c'est un papier. Et voilà ce que, déjà un peu ce que ça fait. Oh, ça floute. Voilà. Et je sais que bon après là j'ai mis directement sur le papier je peux mettre directement peut-être comme ça, mais ce que j'ai vu dans la vidéo, elle se servait donc des doigts éponge et donc pour faire ses fonds de coloriage. Donc ça, je vous montrerai, je ferai, alors je vais peut-être en prendre un puis mon. Donc voilà ce qu'elle faisait.
Alors en plus, elle disait qu'elle pouvait bien laver ses doigts éponge très facilement. Voilà, voyez. Alors, désolée, vous ne serez pas devant, mais je vais vous montrer le résultat. Je prends un petit peu le coup de main, mais voilà, vous voyez. Bon, puis là, c'est pas le papier qui, c'est pas du papier qui s'y prête. Donc voilà. Donc on verra ce que ça donne. On va faire d'abord des essais sur du papier à part. Pas abîmer les livres de coloriage. Comme je vous savais, j'ai un livre de coloriage, un vieux livre de coloriage sur lequel je faisais des essais quand j'avais les nouveaux produits, tout ça justement. Donc on fera dessus sur une prochaine vidéo très très rapidement, donc demain ou après-demain, avec ce vieux livre de coloriage, on va faire des essais dessus. Pas faire de bêtises sur les beaux livres, ce serait embêtant, et comme ça je vous montrerai ce que on peut faire avec, et on fera en même temps l'essai de ça et l'essai de l'encre blanche. Voilà, comme ça vous verrez tout en même temps. Donc voilà, donc là, petite mallette transportable. Alors, par contre, c'est allemand, donc je pense que c'est... Il n'y a pas de marqué de Made in China. Non, ça doit être allemand. Ça devrait être vraiment allemand. Donc, à part ça, je n'ai pas acheté une Made in China. C'est bien. Je fais des progrès. Enfin, c'est difficile hein, maintenant de ne pas acheter du Made in China. Enfin, je dis ça, mais bon, j'ai un unboxing à vous faire, donc ce sera la prochaine vidéo. Bon, Made in China, on peut pas faire sans. Hein. Ensuite, dernier article. Alors, en ce moment, je suis à fond dedans. Je sais pas pourquoi. Alors c'est pareil, je l'ai vu sur une vidéo, j'ai craqué dessus. Je l'avais déjà vu sur Amazon, mais je voyais que la couverture, il n'y avait aucun extrait des coloriages dessus sur Amazon. Des fois on peut en voir, mais là il n'y en avait aucun. J'avais cherché sur Google pour avoir des fois on voit les extraits ou les dessins déjà coloriés des personnes sur Pinterest ou quoi. Pas moyen de trouver. Bon, donc j'ai cherché sur YouTube. J'aurais dû chercher par là. C'est encore plus vite que sur Pinterest. Et donc j'ai vu les vidéos de colo qui ont été faites dedans. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai acheté les produits, parce que il y avait un colo qui était fait dans ce livre et où la personne utilisait ses produits justement. Voilà. J'ai recraqué. Alors, je vais prendre autre chose avec moi pour vous montrer la différence. Voilà. Ça y est, j'avais oublié de le préparer. Désolée. Un Disney. Mais ouais, en ce moment, je suis à fond dans les Disney. Alors, la petite, petite histoire rigolote. C'est que quand tout à l'heure j'ai dit à Chouchou, il y a tes cadeaux dans les cartons, tout ça, il voit le Disney, et puis il regarde, il me fait « Oh non, ça j'aime pas !» Je fais « Oh, voudrait-il pas un nouveau Disney ?» Mais lui, c'est les coloriages mystères. Donc là, dès que je pourrais, ben, je pense que je vais lui reprendre un coloriage mystère. Il y a des tout nouveaux là qui viennent de sortir. Donc je pense je prendrai un Disney en coloriage mystère. Je pense que comme ça il va se remettre au coloriage. Voilà.
Et moi, j'ai vu un coloriage mystère, mais là, je l'ai mis de côté pour l'instant sur Amazon. Parce que là, ce mois-ci, c'est fini, hein, les achats, terminé. C'est un coloriage mystère, mais avec toutes les anciennes affiches. Voilà. C'est pas un livre qui vient de sortir, hein, c'est un livre, c'est déjà un ancien de 2, 3 ou 4 ans même. Et c'est toutes les anciennes affiches publicitaires. Et je trouve vraiment pas mal. Il y a Banania, il y a tout ça dedans. Et je trouve vraiment bien. Bon, enfin, on verra peut-être le mois prochain. Là, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Alors, aujourd'hui, j'ai pris. Alors, c'est dans la collection. Alors, c'est quelle collection ça? Bon. Achetez rose. C'est tout petit. Petit, petit, comme ça. Je veux bien, mais j'ai des lunettes. Mais. Alors, la collection Hachette et Rose, donc Disney, les petits carrés, art thérapie, bien sûr, les portraits. Voilà. Ah, vous voyez alors. Ça me gave que vous voyez à l'envers. Chaque fois, je n'y pense pas. Je dois mettre un miroir sur mon mur, mettre mon téléphone dans l'autre sens, mais j'oublie à chaque fois. Je suis désolée. Donc, voilà. C'est les petits carrés. Alors, j'ai dit que j'allais vous chercher quelque chose pour vous montrer la différence parce que ce que j'ai acheté avant, c'est les grands carrés. Alors, voilà la différence des livres. Voilà. Petit carré, grand carré, Disney. Voilà la différence. Donc, celui-là est vraiment petit. Donc là, ça va être pour faire des petits colos comme ça entre deux. Ou pourquoi pas vous faire des speed coloring, puisque les dessins sont assez petits. Par contre, quand j'arrive au milieu, voilà, ça, bon, il va falloir que j'appuie un peu pour le casser un petit peu. Alors j'ai vu, c'est pareil, ah, c'est sur TikTok, parce que j'ai un compte sur TikTok et de temps en temps je regarde pareil les comptes de coloriage sur TikTok. Et j'en ai vu une, alors ça me ferait mal au cœur de faire ça, je vous jure, qui démonte tous ces livres de coloriage, pas les très beaux, hein, c'est des livres comme ça qu'elle a, de Disney ou de coloriage mystère, mais elle les démonte complètement, elle enlève la couverture et elle démonte page par page. Et elle a. Enfin, c'est vrai que c'est bien et c'est pas bien parce que moi ça me fait mal au cœur d'arracher des livres. Et elle refait le livre elle-même avec la relieuse. Donc ça fait que c'est comme si c'était dans un classeur. Donc les feuilles là vont beaucoup mieux à bouger. Mais ça me ferait mal au cœur d'arracher un livre. Je sais pas vous, ce que vous faites avec vos livres de colo. Est-ce que vous déchirez, vous enlevez les pages, est-ce que vous les laissez comme ça, vous coloriez donc ouais, comme ils sont, voilà, vous coloriez, voilà, je vais vous montrer, là je suis en train de faire tic et tac, voilà, je ne vais pas enlever la page, non, je ne vois pas déchirer un livre comme ça, j'aurais mal au cœur. Des fois c'est pareil, il y en a qui me disent bah, tu fais quoi tous tes coloriages après tu les enlèves du livre et c'est pareil, et beaucoup pensent qu'on enlève nos coloriages du livre, mais non, moi mes colos sont dans mes livres, je les arrache pas, c'est comme si mes livres reliés là, mais oh, j'ai oublié les noms, enfin mes beaux livres de colos. Je ne me vois pas les déchirer. C'est des bouquins qu'on paye quand même presque une vingtaine d'euros. Non, je ne vais pas les déchirer. Donc, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo, là où elle enlève toutes les pages de son livre et qu'elle les remet dans une relieuse. Mais bon, les coloriages mystères, j'aurais moins mal au cœur. Ouais, pour les coloriages mystères, ouais, j'ai. Ça que j'y ferai moins attention. Mais tous les autres, non, j'ai pas envie de déchirer mes livres.
Donc là, c'est ça. Vous voyez, ici, comme il est plus petit, arrivé à un moment, il va... bon, il est tout neuf. Hein, donc, voilà. Alors, donc, comme c'est des dessins qui font... Ça va être du 15-15, je crois. Un petit... Non, 17,5. Voilà, 17,5 sur 17,5. C'est les petits colos qui vont aller vite à faire. Donc, je pense que quand je vous en ferai dans celui-là, ça va être des genres de spin coloring ou des choses comme ça. Donc, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a, alors, je vais vous dire ce qu'il y a dans cette collection-là, dans les petits carrés. Celui-là, je ne vous ai pas dit le prix, excusez-moi. C'est 6,95 €. À la fin, je vous montre ce qu'il y a dans le livre, hein, page par page. Je voulais vous faire une vidéo à part, mais je vous l'ai mis à la fin. Ou alors, je voulais une vidéo à part. Bon, je vous fais une vidéo à part. Parce que je regarde, là, il y a déjà 30 minutes. Donc, je vous fais une vidéo à part pour vous le présenter. Mais là, je vais pas dire les noms, parce qu'il y a une centaine de coloriages, d'illustrations. Et alors, dedans, il y a un mini kit de papeterie à personnaliser, papier à lettres et marque-page à la fin du livre. Ça, je peux vous le montrer tout de suite. Alors, voilà, genre comme ça, vous voyez. Et vous avez donc, alors, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais c'est, parce que c'est pas très... vous voyez, il y a des... Hop, faut découper. Ça, c'est une marque-page. Il y a des petits ciseaux, là. Et donc, l'image, c'est ça. À colorier, bien sûr, avant. Il y a... Alors, par contre, j'ai... Enfin, un deuxième marque-page à faire aussi. Et ici, par contre, ils ont... C'est pas top, là. Voilà. Ils ont mis, vous voyez, une petite fille là, d'un dessin animé. Mais derrière, donc à découper, c'est tous les petits tags. Comme ça, rond, rectangulaire. Non. Là, il... Non. On ne va pas faire des ronds, des rectangles découpés. Elle n'aura plus rien à voir, la petite fille là. Là, ils l'ont mal choisi. Et après, le papier à lettres, c'est ça, par exemple. Vous voyez, vous avez ça. Et, bon, là, c'est... Ah. Donc, vous coloriez. Et derrière, vous avez ça. Vous avez une page de ligne pour faire votre petite lettre. Ça, c'est bien. Voilà. Là, il y en a une, deux, trois. Non. Une... Deux pour faire des lettres. Voilà. La deuxième, c'est celle-là. Il n'y a que celle pour les tags. Là, ils se sont un peu plantés. Parce que, bon, ben non, je vais pas. On va pas découper. De toute façon, je ne vais pas découper le papier à lettres, ni les tags, ni les marque-pages, puisque je viens de vous dire que je ne découpe pas mes livres. Mais là, bon, pour ceux qui voudraient découper, les tags là-dedans, non, là, il y a un problème. Ça le fait pas. Bon, c'est juste le petit hic dans ce livre. Ils ont mal choisi leur illustration pour les tags. Oui, donc ça, je vous fais tout de suite une vidéo pour vous les présenter. Mais je vous les présenterai en musique. Je vais pas vous donner les... De toute façon, vous savez très bien que je ne connais pas les noms de tous les Disney. Donc... J'essaierai un petit peu de mettre sous les photos ceux que je connais. Alors, je disais, dans cette collection-là, les petits carrés de Disney. Voilà. Hop. Ah, on n'a pas que du Disney. Bon, on a Disney, ce que je viens de vous montrer, portrait. Par exemple, on a les petits carrés sur le Japon. On a les petits carrés boules de poils. Pas Disney, hein, c'est un autre.
les petits carrés babies. Alors dans le babies, je vois qu'il y a Pampan, le lapin, il est aussi dans celui-là. Bon. Il y a les petits carrés Disney Tsum Tsum. Là, il y a les petits carrés manga. La jungleur, bon, je dis pas tout le temps les. Alors là, c'est les grands carrés. Grands carrés, jungle urbaine. Mandala fleur dans les petits carrés. Tokyo lover. Avec amour. Disney Art Déco. Tarot et cartes divinatoires. Les perroquets. Oui. Et après, je crois que. Ah, si, il y en a encore. Les... Ah, oui, les. Je sais pas, comment ça se prononce ça? Les Monkey and Co. Vous savez, c'est les petits chats qui font ça avec hop, les petites statues, puis ils ont une petite patte là qui font ça. On se moque pas. Voilà, donc c'est les petits trucs japonais. Les Maneki Neko. Voilà, Maneki Neko. Ça annonce encore un autre. Ça, c'est le grand carré, c'est les petites sorcières. Petit carré, mandala du monde. Il y en a plein. Hein. Love mandala encore. Les carrés, alors ça, c'est les petits carrés, ouais. Chat et félin. Alors, celui-là, j'ai regardé. Une vidéo sur celui-là parce que j'ai hésité parce que la couverture me plaisait parce que c'était sur la couverture c'était les Aristochats et en fin de compte l'intérieur me plaît pas donc les dessins qui à l'intérieur ne me plaisent pas donc celui-là je le prendrai pas. Il y a la jungle, fleurs et jardins, cat lover. Ça, c'est quoi? Carré. Ça doit être les grands carrés, ça. Ah non, ça, c'est encore un autre. Carré. C'est pas les petits carrés. C'est pas les grands carrés. Ah, si, c'est les petits carrés. Excusez-moi. Alors, c'est les princesses de Disney. Je crois qu'on a fait le tour. Non, ça, c'est les grands carrés. Grands carrés. Après, ça va être les mini-blocs. Mais les mini blocs, ça doit être encore plus petit, je crois. Ah, bah encore un sur les petits carrés, mais c'est sur les paresseux. Vous savez, le singe, là. Là, si c'est le livre qui est toujours sur le même thème, ça doit être. Là, c'est encore autre chose. C'est encore des carrés, mais sur autre chose. Et après, il y a encore un autre Disney. Mais là, c'est pas Hachette, c'est collectif. Donc après, il y a ceux-là, c'est encore des autres. Mais bon, il y a Disney, il y en a toujours plein. Et après, il y a les carrés art thérapie aussi. Mais ça, c'est. Je sais pas si c'est Hachette, ça. Et c'est toute une collection aussi. Alors, j'essaye. Ah, c'est Hachette Loisir. Pareil, c'est tout. Il y a toute une collection, donc, avec des Disney, pas Disney, des, voilà. Bon, je crois avoir fait à peu près le tour, mais bon, si vous cherchez sur Amazon, il y a vraiment, vous marquez les petits carrés, et vous devez trouver. Ouais, voilà, les carrés d'art-thérapie Hachette, ce que je viens de vous dire, la Loisir, ou je ne sais plus ce que je viens de dire, j'ai déjà oublié. Il y a encore toute une collection là-dessus. Ben non, là, c'est Hachette et Rose, et c'est encore une autre façon de... Il y en a plein. On voudrait tous les avoir, je crois que... Donc, voilà. Donc, je vous refais une petite vidéo pour vous le présenter, ce sera mieux. Et je vous fais une vidéo
on va faire un essai donc avec ces gélatos, c'est fou gélatos, le produit paillette et l'encre blanche. Et puis ben, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.